Tous les deux. Merci. Voilà. Alors, c'est un vrai phénomène. Oui. C'est un vrai phénomène. Il a rempli le Zénith. Il a l'intention de remplir le Stade de France. Il fait pratiquement pas de radio. Je crois que c'est sa première télé, grâce à toi, Michel. Et c'est un phénomène. C'est vrai qu'on connaît Touré Koundé, Youssou N'Dour ou Alpha Biondi, mais Koffi Olomidé, je trouve qu'on devrait le connaître, le reconnaître, car c'est une star. Et puis alors, sur scène, ça. Il y a longtemps qu'on devait se rencontrer. Monsieur Drucker, j'ai fait une vingtaine d'interviews avant de faire le Bercy. Et... Je regarde comme ça. Hein. Mais voilà, c'est très beau comme ça. Et dans chaque interview, je parlais de vous, parce que je suis d'abord un fan, et je me disais, pourquoi il m'appelle jamais? Ben voilà. Et j'ai été voir Claude Sérillon, monsieur Claude Sérillon, à qui ma mère et moi-même disons merci, ainsi que tout. Oui, parce que sa maman lui a dit, va voir le monsieur pour le remercier. Dis-lui merci. Je le dis publiquement, ma mère, merci. Alors, Kumba est une star immense. Hein, c'est la star de l'Afrique. C'est la... Elle vit toujours, vous vivez toujours au Sénégal, oui, au Dakar. Je vis toujours à Dakar. Donc là, je suis venue pour les besoins de l'émission. Koffi est un ami et un frère et un grand artiste pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Et donc, il m'a invité à chanter avec lui cette chanson que nous venions de vous présenter. Ben voilà, j'étais ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous connaissez Dieudonné, vous le connaissez, l'artiste. Oui. Vous l'avez jamais rencontré, si vous connaissez. Merci Dieudonné d'être là. À la télé, seulement. Vous n'êtes jamais rencontré. C'est un plaisir. Ben non, mais on se voit, évidemment, mais on n'a pas beaucoup d'endroits où se rencontrer non plus à Paris, mais bon, je confie évidemment. Alors, monsieur Emmanueli, on va parler de façon très drôle et décalée de la religion, puisque le spectacle de Dieudonné, c'est Pardon Judas. Bon, on peut prendre le pire. Quel est votre rapport que vous avez avec la religion? Est-ce que la misère que vous avez rencontrée en Afrique vous a fait réfléchir davantage sur la foi? Oui, la foi, c'est la spiritualité, c'est la transcendance, c'est de croire que chaque fois qu'un homme marche sur la terre, il crée du sens. Ça ne veut pas dire la religion, hein. Ça veut dire être sûr que nos vies signifient quelque chose, que nos vies ont un sens. Mais c'est difficile, ça ne vient pas tout de suite, il a fallu tout ce chemin initiatique. Alors, vous avez un rapport extrêmement fort également avec le continent africain. Vous avez devant vous ici les brillants représentants de l'Afrique. Dieudonné est d'origine camerounaise et française.
sénégalaise, Congo. Quand on parle de l'Afrique, on a toujours l'impression de qu'on va parler d'un continent misérable, où il y a de la misère, de la mort, du sida, du paludisme. En réalité, il y a aussi toute cette exubérance, la vie qui parle partout, la joie de vivre. Il y a ça aussi. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle jamais. Même au plus profond des camps de réfugiés, quand c'était vraiment la désolation, il y avait les gosses qui jouaient dans la poussière, qui voulaient vivre, qui avaient envie de vivre et qui exprimaient leur joie. Attends, il y a plein de leçons à prendre hein, dans leur capacité à vivre collectivement, leur respect pour les personnes qui sont handicapées, qui sont seules et tout. Tout le monde prend soin de l'autre. Et moi, je me souviens, on a vraiment vu des scènes étonnantes hein, dans les villages. Et je trouve qu'en plus, il y a plein de pays qui sont en train de se développer très vite, qui exportent leurs produits, qui s'organisent, qui n'attendent plus rien du Nord, parce que de toute façon, ils ont été oubliés. Donc, ils s'auto-organisent. Pays formidable, hein, je pense, le Burkina, Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont en devenir. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à puiser qui vous intéressent. Sur le continent. Mais oui, tout à fait, pour la simple et bonne raison que, en tant qu'Africaine, moi, je trouve que, et c'est la réalité, hein, les Africains sont des gens très, très généreux, très, très chaleureux. Il faut venir en Afrique pour le voir. Et l'Afrique est un continent merveilleux. Les gens sont remplis de générosité. On est pressé chez nous en Afrique de voir un étranger arriver pour l'accueillir, pour partager avec lui notre bol de tièb national, comme on l'appelle, le tièboudjène. Et ça, c'est quelque chose que nous adorons faire, c'est quelque chose que nous aimons faire, donner le meilleur de nous-mêmes avec beaucoup de chaleur humaine, c'est très très important. Et même les Africains de l'Europe, quand on les voit, il y a toujours cette chaleur humaine, cet esprit de partager toujours tout, d'accueillir toujours l'autre. Ça, c'est l'Afrique aussi. Hein. J'étais ravi de vous rencontrer aujourd'hui, Kofi. J'espère qu'on se reverra souvent. Et alors, on va reparler du spectacle de Dieudo, qui est un événement. Hein, c'est au Casino de Paris du 19 au 29 avril, après ce succès pendant 5 mois au Théâtre de la Main d'Or. Comment est née cette idée de faire rire avec Judas ? Je trouvais que c'est parti du pardon, en fait, et puis c'est vrai que j'avais l'impression qu'on n'avait pas vraiment pardonné à ce personnage une action, et je revisitais un petit peu. Je sais, on m'a dit, attention Dieudonné, là, le religieux, c'est pas le terrain de jeu habituel de l'humoriste. Alors il revient après 2000 ans d'errance, stupéfaction voilà. Des scientifiques. Bien sûr, la majorité des personnes se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce possible qu'un individu de 2000 ans, est-ce que c'est... Alors, moi je me suis aperçu qu'en fait les gens étaient vachement intéressés par ce thème de la spiritualité en règle générale. J'ai vu que bon, dans un autre cadre, Robert Hossein s'était attaqué lui à la vie de Jésus, on le voit dans Paris. Et 2000 ans d'amour au-dessus de ce visage un peu masqué, 2000 ans d'amour, ça n'est pas vrai pour tout le monde. Alors, donc je trouvais que c'était intéressant aussi de donner le point de vue de celui qui a porté à lui seul le poids de l'infamie et qui, à mon avis, est tout éclairé. Tu dis qu'il fallait être très costaud pour porter le poids de la famille pendant 2000 ans, et d'ailleurs tu dis que c'est vraiment un Portugais. Il n'y a qu'un Portugais qui peut porter ça pendant 2000 ans. C'est ce que tu dis, sur scène. Pour porter un sac pendant 2000 ans. Ouais. Alors, il y a plusieurs personnages qui... il y a plusieurs personnages qui réagissent au retour de Judas. Ouais. Il y a un médecin, il y a un collabo, il y a un sans-papier, il y a un manifestant. C'est l'occasion également de passer en revue tout ce qui te touche et ce qui nous touche tous. Oui, oui. Voici un extrait du spectacle de Dieudo. Si vous l'avez raté, peut-être de la Main d'Or, allez-y.